Et oui, toi aussi. Toi aussi, tu peux être un héros. Et pas par pur hasard, juste parce que tu maîtrises la connaissance. Et tu sais tout ce qu'il faudrait faire quand tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide. Et ça fait partie des choses élémentaires que tout le monde devrait savoir, car tout le monde peut être un héros. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce qu'on va parler de Speak and Rescue. Et Speak and Rescue, c'est un vieux jeu de 1980 tout rond, qui va nous permettre de sauver des gens. Et j'ai trouvé un bout de flyer. C'est pas top, mais voilà. Des gens qui se font enlever par des extraterrestres, il est certain qu'il faut intervenir. Nous sommes en 1980, je le rappelle. Nous avons de la gros pixel attitude. Il y a des chances que ça pique, hein. Déjà, les couleurs du fly, laisse tomber. On y va. Mon petit fell de Némra, puis-je l'avoir? Non? Ah, bah, dommage. Bah, j'allais expliquer la PLS, hein, parce que quand vous voyez quelqu'un, par exemple, qui a un accident cardiaque, déjà, d'une, évitez de vous rouer dessus pour lui faire du bouche à bouche, on verrait tout de suite que vous n'êtes pas là pour le secourir, hein, ça se remarque tout de suite. Non, mettez-le en PLS, mais en PLS, en position latérale de sécurité, mais il y a un sens. Eh oui, ça a l'air con comme ça, mais si vous le mettez en PLS du côté gauche, ça va pas du tout le faire. Parce que vous allez écraser son petit cœur, et s'il est en train de faire un malaise, c'est qu'apparemment son petit cœur n'est pas en forme. Donc mieux vaut mettre le petit cœur du côté le plus à l'air libre, et ça se passera à peu près bien. Comment ça, je ne parle absolument pas du jeu? Bah si, regardez. Là, on voit qu'on a des extraterrestres qui vont ramasser des personnes qui font des malaises. Et qui suivent scrupuleusement pas mes conseils du tout. Et oui, regarde, c'est le côté gauche qui est en bas. Ça le fait pas du tout. Donc on s'en va apprendre à ces damnés envahisseurs du cosmos qui ont des envies quand même de kidnapping assez prononcées. Comment ça se passe par chez nous quand on cherche? Je contacte la NASA, j'équipe ma fusée et nous irons tout de suite à coup de crédit. Oh l'énervé, oh l'énervé. Il a moi cet humain! Mais en moi cet humain! Mother Scammer! Et en plus ils ont l'air trop contents quoi, il est tout rave! Ah mais là il en chie. Eh bah oui, mais... Donc la planète bleue est verte, hein, pour que tout le monde soit d'accord. Je m'en fous, j'ai fait encore une victime dans ton pion. Et avant que tu aies kidnappé tous les extraterrestres, ils se seront reproduits, espèce de naïf idiot de l'espace, passe, passe. J'ai même pas regardé si j'avais un second bouton. J'aurais mieux fait de regarder l'écran. Oui, alors le tir unique qui doit toucher ou sortir de l'écran avant de pouvoir être renouvelé, c'est pas super confort. C'est dommage, on allait arriver au deuxième tableau. Et vu que je n'ai pas fait mes 5 minutes légales, je vérifie. Oui, je ne les ai pas faites. Eh ben, on y retourne. Vous allez voir que... Non, je bouge plus. Je vais tout faire d'ici, en fait. Eh, les discrets, vous croyez que je vous ai pas calculé, là? Non, mais ils me prennent pour un jambon. Alors le premier, lui, il est au taquet. Il est inflingable, il te ramène au bercail à fond la caisse. Après l'autre, il me semble qu'il est un peu plus lent. Tiens, sale gobeur de flambie, il va. Alors les plus jeunes, les gobeurs de flambie, vous irez voir. Les gobeurs de flambie, ce sont aujourd'hui vos parents, probablement. Vous comprendrez pourquoi je ne détaille pas le sujet. Shame, shame. Hey. Comment ça, je m'éloigne du sujet principal? Bah oui, mais... Je savais que j'allais skiller ce tableau avec mon dernier vaisseau. Faut même pas essayer de comprendre ce qu'ils disent. Je pense que ça n'a absolument aucun sens. On comprend pas ce que tu dis. Affiche un message sur l'écran, fais quelque chose, quoi. Est-ce qu'on va en rester là pour ce jeu? Oui, sa jouabilité est absolument toute pourrie. Il y avait un petit bout d'idée, mais ça a été programmé avec... vous choisissez quel appendice, ce que vous voulez. Mais c'était certainement pas des doigts et un clavier, quoi. Il manque beaucoup de choses pour que ce jeu soit parfaitement jouable. Donc, Speak and Rescue,
Bah oui, t'as parlé, effectivement, mais si vous avez compris ce qui a été dit par l'espèce de voix numérisée pendant le jeu, merci de me le marquer en commentaire, parce que je suis toujours à rechercher à l'heure présente. Rescue, bah oui, on a sauvé des gens, puisque j'ai donné le vrai fonctionnement exact de la PLS. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé ce stream et qui doivent être en PLS à cet instant précis, face à ce monstre des années 1980 qu'on ne reverra plus jamais, puisqu'il est dans la malle désormais au grenier avec toutes les vieilles choses pourries qu'on archive. Je vous donne rendez-vous demain à 19h, non sans préalablement vous avoir laissé avec ces deux formidables playlists dont vous ne sauriez vous passer. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao.